Votre attention, s'il vous plaît. Bloquez le test, je suis là. Merci. Je ne peux pas avoir fermé la porte. Bien, choisis ça comme tenue pour faire 11 heures d'avion. Tu comptes faire un peu de go-go dancing à bord? Et quand c'est confortable, c'est moche. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas prête, c'est trop tôt. Allez, on lève les bras! Bien tendu! Et on actionne, droite, gauche! Moi, j'en peux plus de vos têtes de chien qui chient. Maman, elle a 60 ans, je te rappelle. Ouais, et alors? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? À 60 ans, ça y est, t'es plus une femme. T'es mamie Nova, c'est ça? Faut qu'on reste sur notre plan de départ, sauver maman. C'est pour ça qu'on est là, non? Enfin, ça va pas, on va pas tuer papa! Mais pas nous. Maman, elle est quand même partie avec une infirmière de 30 ans. Et on sait pas depuis combien de temps elle dure l'histoire. C'est quoi la suite? Je trouverais ça sympa que t'invites ma mère à danser. C'est quand même génial de passer de dépressive à sosie de Shakira. Par contre, on s'est bien compris, hein. Le reste, c'est keep out, Fabidon, attention, chien méchant. Je revois ce soir, il m'invite à sortir. Oh, pardon! Ça t'amuse de bercer d'illusions une femme de 60 ans? Je croyais que le but c'était de lui remonter le moral. Voilà, c'est pas qu'elle tombe amoureuse d'un mec qui s'est fourré la moitié des dom-toms. Rose, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, comme vous, je suis venue observer les planctons. Vous croyez que le désir s'arrête quand on vieillit? Maman, on ne veut pas avoir cette conversation avec toi, pardon! Très ironique d'ailleurs, vu que pour les hommes, ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qu'elle dit? À partir de 50 ans, c'est l'empire des sens, mais dans un monde de demi-molles.